Ah, mais voici, là, je suis à 15 km du truc. Mais voici avec mon rôle. Ah, ben non, ça, c'est des papiers. J'ai ouvert chez mes parents, en fait. C'est ma maman, il m'a trouvé plein de papiers, plein d'enveloppes avec des fenêtres. Vous voyez, les impôts, l'hôpital, tout ça. Bref. Donc du coup, comme j'ai ouvert chez elle quand même pour voir ce que j'avais, j'ai fourré ce qu'elle m'a donné pour pas oublier qu'il faut que je range. D'ailleurs, j'ai rangé. Hein. Après, vous avez vu, j'ai posé là sur ma desserte. Ça s'appelle pas ranger du tout. Petit haul scrap influence, exceptionnellement pour toi, un wawa. Un wawa? Hein? Oui, c'est ça, c'est un wawa. Bisous. Alors, le petit plus, c'est cette petite découpe ici. Trop jolie. Trop, trop jolie. J'adore. Voilà, découpe chien. Si un jour j'arrive à trouver du temps et à faire une bricole à fait, ça sera parfait. Alors, bon, ben, encore du crap. Attends, on va faire comme ça. Si c'est du crap que je vais pouvoir utiliser, hein, vous me connaissez. Forcément une utilité avec moi. Hein. Tout a utilité, tout se garde. Voilà, désolé pour le bruit. Alors, la collection French. Machin, lavandeur, je vais vous montrer après. Et ensuite, ça, c'était petit, petit colis cette fois-ci. Enfin, petit colis. Petite commande, elle est respectable, hein, flûte. Si on fait comme on peut, comme on veut. Alors, ça, c'est mon petit mot de Valérie. En fait, j'ai glissé tout cela. Je dois avoir 22 mots de Valérie là-dedans. Attendez, juste pour le fun. Je suis sûre. Bon, ça, c'est dans mes pochettes. Parce qu'à chaque fois que ça, c'est encore dans mes pochettes. Petit mot de Valérie. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Je les colle dans ce truc là. Alors forcément, tiens, j'en vois un autre. Donc, en fait, j'ai des cartes de Valérie plein et encore. Voilà. Vous voyez? Hop là. Hop là, hop là. Bon, on met ça là-dedans, on ne voit plus. Je vous avais pas vu là, parce qu'en fait j'ai fait plein de grimaces. Il y a eu du silence, mais non, mais qu'est-ce que je veux vous dire de plus que bon, bah voilà, hein, je suis fidèle. Ça me va, je garde. Alors, c'est magnifique tampon café. Bah oui, parce que je pars pas de mon idée, mon fameux John Café avec la collection Buongiorno là, que j'ai eu chez Valérie, hein, avec des grains de café, des moulins à café, enfin vraiment, et faire mon junk que café. Là, en teinte et tout ça, j'irai pas chercher, j'irai pas prendre la récorée, j'irai tout au café. Faut qu'il soit café. Donc voilà. Donc ça, c'est du tampon tache. Hein. Ça me servira bien aisément dans tous les junks que je fais. Donc on n'en a jamais assez. Vous connaissez que j'adore faire. Enfin, vous savez que j'adore faire ce genre de tâches, etc. Là, on a carrément le coffee break. Et des grains de café, en fait. Donc j'adore. J'adore. J'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Je me suis dit, ah, petit pour mes ATC rentrée scolaire, hein, ça aurait été parfait. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ça me servira quand même plus tard pour d'autres trucs. Voilà. Un dies. Donc, alors, comme une dimension correcte, hein, j'en ai aucune, je n'ai pas écrit. Non, c'est pas écrit. C'est une goût. Quoi la marque? Une Giart, Agiart, Agiart. Et après, c'est écrit en cyrillique. D'ailleurs, c'est écrit Agiart.ru. Point rue, donc Russie. Hein. 6,5. Mais alors, soit en passant, vous pouvez l'avoir donc avec la petite de Toga, je suis en train de me dire. La mince, celle que j'avais, là, la tout petite, avec une tout petite bande, là. Ça tient. Très intéressant comme détail, parce que quand on n'a pas tout de suite investi dans la grosse machine, sur 9,1. Avec une règle, des stylos, un pinceau, et un style de déchiré, page déchirée, d'Acalpa. Donc ça, moi, je le fais en vrai, mais si je peux avoir une découpe qui correspond un petit peu plus, c'est parfait. Bon, est-ce qu'on en parle? Un nouveau tampon clé, bien sûr, parce que les clés, c'est la vie. Alors ça, en fait, non, mais vous avouerez, hein, je suis un peu... Je suis pas bien en phase avec la réalité, mais bon, une boîte aux lettres, et surtout, c'est la petite enveloppe, moi, qui me plaisait. Une petite découpe enveloppe. Alors, genre, j'ai acheté le dice pour ça, mais limite, quoi. Non, parce que l'enveloppe, elle me servira aussi. Je sais très bien dans quoi et tout ça. Mais voilà. Donc, une petite boîte aux lettres et une petite enveloppe. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas cher le... Pas cher, hein. Pas cher, madame, c'est pas cher. Une montre à gousset. Voilà, découpe. Parce que les découpes, c'est la vie, vous le savez.
Oui, vous voyez, j'achète peu de tampons, mais les découpes, moi, en général, c'est. Les tampons, je peux passer à côté, hormis les Sampieria, où c'est bon quand même, parce que c'est vraiment un mélange de tout ce que j'aime, des cris, de mécanique, de un peu quand vous avez les papillons et tout ça, enfin un peu quand même style cabinet curiosité. J'adore, je passe pas à côté. Autant les tampons cuir avec des abeilles, des trucs, des machins, j'en ai pas en fait. Alors ça, étiquette 25 décembre, je trouve ça exceptionnel. Alors, surtout pour moi qui fais mes comment? Mais Daily December, là, hein, on est en plein dedans, n'est-ce pas? Puisque je viens de quitter une vidéo où j'étais en train de faire Daily December. Mais après, moi, je me connais. Il sera utilisé sur des cartes, des choses comme ça, même des ATC. Par contre, il ne sera pas utilisé pour mes junk, enfin, pour mes Daily December, parce que pour le coup, moi, j'aime bien qu'il y ait une uniformité. Et comme ça, j'ai pas les autres jours. J'ai pas 1, 2, 3, 4. Eh ben, j'utiliserai pas. Enfin, si, je vais l'utiliser, mais pour d'autres trucs que les Daily December. Alors qu'on pourrait croire, c'est typique Daily December, eh ben non. Là, on a, alors ça, j'adore, j'adorais. En plus, Valérie a fait la découpe. Voilà, un fond Noël avec des découpes, le rond avec des flocons. Ah ben, c'est bizarre. Viens pas de finir un Daily December avec des flocons? Si. Voilà, et le mot Noël. Oh, très joli, écrit en script. Non, manuscrit. Mais non, script, c'est bâton. Bref, j'aime. Ah bah, une montre gousset en tampon. C'est jamais, à la fois que je passe de la découpe et tout ça. J'ai pas assez d'horloges. Mais en fait, j'ai des horloges. J'en ai plein des horloges. Tous les tampons horloges que j'ai pu trouver, je les ai. Mais montre à gousset, j'ai pas. Et là, nous avons le French Provence. Voilà. Donc, ça se veut dans les violets. Là, bon, la lumière, elle est un peu pourrie, donc ça rend pas très très hommage, mais c'est vraiment du blanc taupe violet. J'aime beaucoup. Avec là, vous avez Perfumes, enfin bon, bref, un mot anglais qui vous dit qu'en gros, c'est de la lavande. Ce que j'ai aimé dans cette collection-là, c'est. Alors, si ça, c'est pas tout ce que j'aime. Voilà, vous avez les petits oiseaux. Un fond de mur brique. Là, de l'écriture avec de l'eau de lavande, vous voyez le côté parfum, machin. Vous avez du baroque, vous avez encore une fois là en fond de l'écriture et vous avez un vélo avec un bouquet de lavande. Bon, bah, ça c'est la collection, donc voilà. Hein. Mais ce fond, c'est juste une tuerie. Des briques, des oiseaux, de l'écriture et des fioritures. C'est tout ce que j'aime. Hop là! Qu'on peut emmener, je sais. Je sais, je sais. Mais après, quand vous prenez des collections de papier, il y a peut-être une ou deux feuilles qui ne vous parlent pas. Donc celle-là me parle moins, hein, on est bien d'accord, hein, c'est des papillons. Mais elle a un côté violet, noir, enfin, je peux peut-être l'emmener dans un univers un peu glauque, donc ça me va. Là, on a juste, c'est magnifique cette page, une impression bois avec, par contre c'est en blanc. Alors est-ce qu'on va bien le voir parce que la luminosité, je sais bien ce que je vous dis. Il y a un cachet genre tampon de la poste avec de l'écriture. Et là en haut, vous avez Paris. Vous voyez en blanc en fait. En blanc dans le bois. Donc par contre, qu'est-ce qu'elle fait là, Paris? Enfin. Ah si, écrit lavande quand même en dessous, en blanc. Parce que bon, Paris, la lavande. M'excuserez, je vois pas. La lavande, c'est la Provence. Bon. Là, on a alors du vert rayé avec de la lavande en bas. Bon, très soft. Très beau. Là, alors ça, j'adore. Comme des étiquettes Lavandeur Provence. Alors, vous avez des oiseaux, des papillons, des brins de lavande, dont les vintage violets taupe. Enfin, vraiment. Là, ben, on en revient au même. C'est cette espèce de taupe violet avec des pois, mais pas des pois terminés. Vous voyez, ils sont un peu grunge, un peu insipides. Voilà. Donc, des pois, pas pois-pois, quoi. C'est pas un motif pois. Avec des fonds d'écriture, hein, faut regarder de tout près, mais oh, très joli. Oh, bah alors celle-là, si ça c'est pas le pur bijou. En fait, voilà, il y a une paire de pages où voilà le redresse. Hop là, du baroque violet vintage, j'adore. Là, on a des planches de bois, comme un imprimé livre. Un pichet, vous savez, les pichets pour faire une petite toilette,
Vous aviez une grosse bassine en porcelaine. Ça, bien souvent, c'est... Enfin, moi, j'en ai connu en porcelaine. Il y en avait en fonte aussi. J'en ai connu en fonte aussi. Enfin, je vous dis, j'en ai connu. Ouhouhou, l'époque où j'avais un château. Non, mes grands-parents. Et pas parce... Mes arrière-grands-parents. Et pas parce qu'ils avaient un château. C'est parce qu'à l'époque, la maison n'avait pas l'eau courante. Les toilettes, c'était dehors au fond du jardin. Et l'eau courante, c'était à la pompe. Ben oui. Même dans Reims et dans un grand quartier cossu où ils étaient, il n'y avait pas. Donc il y avait ça pour se laver le matin. Parce que oui, parce que mon arrière-grand-mère était née en 1914. Pas que je dis. Non, pas celle-là, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre arrière-grand-mère. Et l'autre arrière-grand-mère, c'est 14-18. Les autres arrière-grands-parents et la grand-mère dont moi je vous parle, parce que l'autre arrière-grand-mère, je n'ai jamais connu de ma vie, celle-ci dont je vous parle. Ah, je crois que c'était 1901 et 1904 leur date. Ou 1904, mes mères, ça sûr, c'était 4. Et mon grand-père, c'était peut-être. Ouais, bon, bah alors 1901, c'est un truc impair. Donc, il y avait, même si après moi, forcément l'eau courante, enfin, mes grands-parents ont fait ce qu'ils ont pu pour raménager après l'appartement. Donc, c'était pas logique. Vous aviez une salle de bain au plus près de genre la sortie d'eau qu'il y avait dehors. C'est pas spécialement logique par rapport à la distribution de la maison, mais voilà. Mais ils avaient encore ça. Ces cruches-là, c'était encore gardé. Moi, je vois mes mères, la table de nuit. Ma grand-mère, il y avait ça dessus. Alors qu'elle avait l'eau courante et que la salle de bain est arrivée. Donc, c'est bien ce que je vous dis, en bout de sa chambre. L'espèce de bout de couloir. Enfin, c'est un bout de chambre, en fait, qu'ils ont condamné pour faire un coin salle de bain quand l'eau est arrivée. Quand le luxe de l'eau est arrivé, quoi. Et voilà, bon, on s'en fout. Et voilà, plein de petites étiquettes. Tout ce que j'aime. Et vous voyez, là par exemple, ce papillon, hein, sur un fond gris, juste écriture, papillon comme ça, là j'aime. Vous voyez, quand je vous parle des papillons que j'aime pas, ça c'est l'exemple. Ça j'adore. Parce que là il est, voilà, hein, on est loin du petit papillon rose avec des paillettes et des trucs et des machins. Alors voilà, comme d'habitude que vous dire, je suis ravie de ma commande. C'est normal, c'est moi qui ai choisi ce que je voulais. Mais parfois on peut dire, ah bah mince, non, bah ça correspond pas. Et c'est pas la personne qui vous vend le problème. Les gens, bah oui, non, mais je voyais pas ça comme ça, fin de compte. Non, moi je voyais tout comme ça. Donc je suis aux anges. Valérie, merci pour ton petit plus. Ça, c'est un projet que j'avais, que normalement je vais faire pour l'été dernier. Hein. Donc on est un petit peu... à la ramasse par rapport à ça, mais bon, c'est pas grave parce que j'aime beaucoup l'odeur de la lavande. J'ai un faux bouquet dans ma chambre. J'ai justement une espèce de brume là que j'avais eu chez Action qui sent la lavande. C'est une purée, j'adore mettre ça dans ma chambre. Que ma penderie est parfumée par Laurence et de la vraie lavande de chez Laurence, de son jardin, de la lavande de Provence. Voilà, la lavande dans les vêtements, dans tout ça, c'est ou en déco, et c'est tout à fait ce genre de violet, de parme, que j'aime, quoi. Sur ce, c'est bien, je vais aller chez Emmaüs. Je vais ranger tout mon fatras avant d'aller chez Emmaüs, parce que forcément, je vais revenir avec d'autres trucs qui vont être à nouveau refiche le bazar. Vous voyez un peu le concept? Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bisous!